Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette présentation. Je remercie la communauté qui m'a fait la joie de me faire confiance pour essayer de faire cette intervention. J'espère qu'elle ne vous décevra pas, surtout. Et puis voilà. La fête du Christ, le roi de l'univers, avec elle nous plonge déjà dans le temps de l'Avent. Un petit peu d'avant, c'est la semaine prochaine, je sais, mais c'est déjà commencé un petit peu à rentrer dans ce temps d'attente joyeuse qui est déjà rempli de l'espérance du salut, de la rédemption, temps de réalisation des promesses de Dieu à son peuple. Effectivement, je constate avec le Père Yves aussi que parler d'espérance dans le contexte actuel de l'actualité, eh bien, c'est pas si évident que ça. On a plutôt une ambiance générale assez morose, et il faut vraiment des fois faire l'effort de retrouver au fond de nous cette espérance. Et pour ce qui me concerne, et je pense que c'est aussi le cas pour vous, eh bien, on la retrouve dans ce qui nous porte chaque jour, cette foi en la rédemption que je citais tout à l'heure, effectivement, cette espérance du salut, de l'éternité acquise dans le Christ. Voilà. Alors comme homme, effectivement, je partage les mêmes soucis du moment que ceux que connaissent l'ensemble de mes contemporains face à cette actualité qui n'a rien de réjouissant. Parfois, je me demande d'ailleurs si c'est pas quelque chose de voulu, si c'est pas volontairement qu'on traite l'actualité toujours de façon anxiogène. Et cela me ramène invariablement à une des premières phrases qui m'a marqué dans l'Église. C'était la première exhortation de notre pape Jean-Paul II lorsqu'il avait été élu et qu'il s'est présenté au balcon de Saint-Pierre et qu'il disait au peuple qui était rassemblé en bas « N'ayez pas peur, ça va bien se passer. » Voilà. Mais je ne suis pas seulement un homme, je suis aussi un chrétien. Cela signifie que, comme vous, je suis porteur d'une espérance qui dépasse toutes les choses terrestres puisqu'elle porte mon regard intérieur vers un au-delà de ce monde qui passe pour goûter déjà en prémisse à des réalités imperceptibles. Le catéchisme de l'Église catholique nous présente les deux vertus théologales de la foi et d'espérance. Alors je n'ai pas renoncé au plaisir de les citer. La foi, dit-il, est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce qu'il est la vérité même. Et l'espérance, c'est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui sur nos forces, non sur nos forces, pardon, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Il était difficile de parler d'espérance sans citer la très belle encyclique aussi du pape Benoît XVI, Spe Salvi, que je vous invite à relire ou à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Il nous disait à juste titre que foi et espérance sont des termes qui sont interchangeables. Et il rappelle que la première épître de Pierre exhorte les chrétiens à être toujours prêts à rendre témoignage du sens et de la raison de leur espérance. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Cette espérance, nous la tenons de la foi en Dieu qui nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Un héritage réservé dans les cieux et prêt à se révéler dans les derniers temps. Alors la notion de temps a été au cœur de ma réflexion sur le thème choisi pour cette conférence, puisque le thème c'était notre temps, un temps d'espérance. Donc on voit bien que le temps est quand même bien présent dans le thème. Et puis il y avait aussi cette idée de cette journée, qu'est-ce qui nous rend joyeux dans l'espérance? Mais il y a des questions forcément qui se sont dégagées. Qu'est-ce que le temps? Le temps nous est-il favorable ou n'est-il qu'une accumulation d'instants nous conduisant irrémédiablement vers une inexorable et fatale issue? Pourquoi Dieu a-t-il créé le temps, qui
qui est si défavorable finalement à la passibilité de notre nature humaine. Je relisais tout à l'heure un petit peu encore la lecture du prophète Ézéchiel qui, comme nous allons entendre en première lecture tout à l'heure, et Dieu emploie toujours un futur d'intention dans cette déclaration du prophète Ézéchiel. Je viendrai, la brebis perdue, j'irai la chercher. J'irai, je viendrai, je la porterai, je la ferai paître, je la ferai renaître, je la secourrai. C'est un futur d'intention. Et ce futur d'intention, en fait, marque, à mon sens, finalement, l'actualité toujours présente de Dieu, j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu, qui marque sa capacité à venir toujours rejoindre l'homme là où il est, à l'instant même où il en a besoin, pour l'amener vers cet au-delà dont je parlais tout à l'heure, dans lequel il pourra véritablement s'accomplir en lui et avec lui. La Bible nous entraîne à la découverte de ce qui constitue la personne, l'être même de Dieu. Dieu lui est présenté comme le seul élément stable par nature qui est. C'est exactement de cette manière qu'il se présente à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Dieu nous dit par son nom la permanence de son être et de son état. Nous le proclamons, nous le chantons dans nos assemblées. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Il faut avouer que dans un monde où tout paraît incertain, savoir quand même qu'il existe un élément stable, immuable, inaltérable, ça a quelque chose de réconfortant. La Bible nous dit aussi que Dieu est l'origine même de l'univers tel que nous le découvrons, et que c'est lui qui, en créant l'espace, a du même coup créé le temps. Étant l'origine de l'univers créé, Dieu est aussi extérieur à la fois à l'espace et au temps, qu'un peintre est extérieur au tableau qu'il crée. Et puisque par définition il est, alors force est de reconnaître qu'il n'a besoin ni de l'un, ni de l'autre, ni de l'espace, ni du temps. Et nous disons avec l'Église que Dieu transcende sa création, c'est-à-dire qu'il transcende à la fois l'espace et à la fois le temps. Cela nous oblige donc à concevoir que Dieu a voulu créer l'un et l'autre, non pour lui-même, mais pour l'homme. C'est un don de Dieu fait à notre humanité. Dieu, dans son projet salvifique, a voulu donner le temps à l'humanité. Nous pouvons dire que l'homme habite aussi bien l'espace que le temps, et que Dieu, en vertu de la permanence de son état, vient à notre rencontre à travers l'un et l'autre. C'est ainsi que nous le présente le catéchisme de l'Église catholique. Il est le Dieu qui, par-delà l'espace et le temps, met en œuvre sa toute-puissance pour réaliser son dessein salvifique. Car à Dieu, tous les moments du temps sont présents, dans leur actualité. Il établit son dessein éternel de prédestination, incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Ainsi donc, c'est l'homme qui a besoin du temps pour pouvoir consentir au dessein éternel de Dieu, pour donner sa libre réponse à sa grâce toujours offerte. Dieu, quant à lui, n'en a besoin que pour intervenir. Il ne l'utilise ce temps que pour intervenir afin de rejoindre l'homme et lui rappeler que la rédemption et la vie, qui plus est la vie éternelle, lui sont toujours offertes. Ainsi, l'agir de Dieu à travers le temps de chaque homme transforme mystérieusement le temps en lieu. Lieu de la rencontre avec les hommes de tous les temps, dont il fixe lui-même la limite pour chacun et pour tous. Rien d'étonnant donc à ce que Dieu, lorsque les temps furent accomplis, envoie son propre Fils accomplir de façon définitive son œuvre de salut, et ouvre pour tous les hommes la voie d'un possible retour vers le Père éternel. Telle est la prédestination de l'homme, vivre éternellement en présence de Dieu, dans et par sa grâce.
cette grâce qui était celle de nos premiers parents. Le voilà le motif joyeux de notre espérance. Par-delà le temps de cette vie qui passe, nous sommes tous appelés à ce retour à l'état originel, celui de notre prédestination en Dieu. Par sa chair lacérée, par son sang versé, son cœur transpercé, notre Seigneur Jésus ouvre une voie au-delà de la mort, une voie qui en lui est la vérité, comme le dit la lettre aux Éphésiens. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous dans le Christ pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Cette possibilité offerte du retour change définitivement toute la perspective de notre vie. Ce temps possède de manière intrinsèque un but, une finalité, la récapitulation, c'est-à-dire le retour à l'état originel par la rédemption. Et parce qu'il y a un but, nous pouvons désormais parler d'un temps d'exil, là où jusque-là, étant sans but, nous ne pouvions parler que d'un temps d'errance. Et cela change tout, car l'exil contient en lui-même comme en germe la certitude qu'il y a un retour possible. J'ai un peu d'émotion à penser à tout cela parce que j'ai longtemps vécu personnellement sans ce but. Aujourd'hui, je partage avec vous tous cette espérance chrétienne du but, du salut, de la rédemption. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand on fait un retour en arrière sur soi-même et qu'on contemple le temps passé, le temps peut-être qu'on considère comme perdu des fois, eh bien ça fait des fois un peu bizarre. C'est l'espérance chrétienne, donc, que je décrivais tout à l'heure, une espérance qui rejoint l'espérance que conservait aussi le peuple hébreu dans tous ses exils, parce qu'il savait déjà que Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait. Et la plupart du temps, c'est dans cette espérance que nous avons demandé à recevoir le sacrement de baptême. Et cette espérance, elle est vraie. Elle est vraie dans le témoignage du Christ porté sur le bois de la croix, mais surtout dans sa glorieuse résurrection attestée par le témoignage de l'Évangile. Une espérance fiable nous a été donnée, dit Spessali, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté, s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme. Et si ce terme est si grand qu'il peut justifier en lui-même tous les efforts du chemin. Un peu plus loin, dans cette même encyclique, Benoît XVI écrit encore « L'évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit des faits et qui change la vie. » Selon ces expressions, l'évangile n'est pas seulement informatif, il est aussi performatif. Le pape François, en 2017, dans ses vœux à la Curie, développe l'idée d'une foi qui doit nous faire grandir, nous interroger, nous encourager, nous émouvoir. C'est à ce prix que nous pouvons affirmer que notre foi est vivante. Il voit dans les mouvements de crise que notre âme connaît lorsque Dieu se cache l'expression même de la fidélité. Comme l'exil comporte déjà en germe le temps du retour, nos temps de crise finalement contiennent déjà en germe le temps de la grâce. Je reconnais aujourd'hui en cela les mouvements de l'esprit dans ma propre histoire, une histoire dans laquelle j'ai cru peut-être longtemps, ou j'ai pas cru assez fort, je ne sais pas, que Jésus était déjà présent, ou j'en avais pas conscience.
Mais en fait, il était déjà là. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends. Et finalement, c'est cela qui, pour moi, est une joyeuse espérance. J'ai été baptisé enfant. Autant dire qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Avant la sortie de l'hôpital, on se prenait 2 litres d'eau sur la figure. Et puis, zoom, c'est parti. Mais ce n'était pas mon choix au départ, le baptême. C'était le choix de mes parents. Et je les en remercie. Ils ont fait ce choix pour moi. Merci papa, merci maman. Voilà. La grâce au Père, le sacrement au Père par lui-même. Voilà. Même si je n'étais pas conscient de ce que je faisais, le sacrement agit et la présence de Dieu m'était acquise pour le reste de ma vie. Il ne me manquait plus à moi finalement qu'à en prendre conscience. Et ça a pris du temps. Voilà. J'ai longtemps vécu ma vie avec la certitude que Dieu y était, qu'il y avait ce Dieu qui était présent en moi, mais que moi je ne parvenais pas à toucher, à percevoir. C'était quelque chose d'immatériel. Quand j'allais au catéchisme et qu'on me lisait finalement la Bible, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Hein. C'est cette foi qui me poussait à écouter. Mais je voyais ça comme une vieille histoire qui s'était passée il y a 2000 ans. Ce n'était pas du tout mon actualité. D'ailleurs, je ne reconnaissais pas l'actualité de Jésus dans l'actualité de ma vie. J'étais incapable de l'apercevoir. À ce moment-là, en tout cas, c'était assez étonnant. Et le temps a passé, la foi était toujours là, mais j'avais du mal à concevoir ce que Dieu pouvait attendre de moi. Voilà. Alors j'ai vécu ma vie comme on peut la vivre en Paris. Tiens. J'ai pensé que cette vie était la mienne, qu'elle m'appartenait et que c'était à moi d'en maîtriser tous les aspects. Alors je me suis lancé dans pas mal d'activités. La première déjà, c'est qu'il faut gagner sa vie. Alors effectivement, on va choisir un travail, on va chercher la reconnaissance de ses pairs. On va l'obtenir. J'ai fait aussi beaucoup d'activités sportives, dont pas mal étaient des activités qu'on dit extrêmes. J'ai même failli perdre ma vie plusieurs fois. Voilà, je peux aujourd'hui affirmer que si je suis encore là devant vous aujourd'hui, c'est probablement un peu miraculeux. J'ai été élu aussi. Bien, j'ai été un élu de la République. Voilà. Bon. Je crois que dans l'ensemble, si je regarde ma vie aujourd'hui, à l'époque, je me dirais que j'étais plutôt dans ce qu'on appelle une phase de réussite avec le regard du monde. C'était bien. C'était bien, mais ça ne m'apaisait pas, ça. J'arrivais pas à trouver une paix qui soit durable. Et à bien y réfléchir aujourd'hui, c'est assez normal, puisque aujourd'hui, je m'en rends compte, tout ce que je pensais avoir acquis, tout ce que je pensais avoir conquis, il n'y avait absolument rien de tout cela qui n'aurait pas pu m'être arraché par un coup du sort, par la maladie, par le chômage, par un effondrement simplement de mes propres capacités physiques. Aujourd'hui, j'ai un peu tendance à appeler ça le syndrome de Job. Mais Job, lui, contrairement à moi, il a accueilli ça dans la paix, il ne s'est pas révolté. Ça n'a pas été mon cas. Moi, je me suis révolté, je suis allé encore plus loin. Et de crise en crise, de colère en colère, à un moment, je pense que même mon épouse a dû user de beaucoup de patience avec moi. Je pourrais vous en témoigner si vous lui posez la question tout à l'heure. Voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à cette époque-là qui semblait pouvoir m'apaiser. Voilà. Et j'allais, d'effondrement en effondrement. Voilà. Et pourtant, je réussissais, aux yeux du monde, je réussissais. Voilà. Une histoire un peu bizarre, maintenant. Ça a duré comme ça pendant plusieurs décennies. Hein. À un moment de notre existence, ayant rencontré
après Nadine, notre fille est née, et puis on a demandé le baptême pour notre fille, puisque je le répète, hein, j'avais toujours cette foi en moi quand même qui était là. Mais comment je l'aperçois, comment elle se concrétise cette foi? C'est ça qui m'a manqué. Et puis je décide, à ce moment-là, j'avais alors une trentaine d'années, de demander le baptême. Alors, pas le baptême, la confirmation. Pardon, le baptême était déjà fait depuis longtemps. Le sacrement de confirmation. Et puis, le cheminement commence. Et c'est au cours de ce cheminement que pour la première fois, alors que je pratiquais la prière, voilà, subitement, je vais me sentir un petit peu envahi par une paix un peu surnaturelle, une paix dont je ne suis pas coutumier. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, je vais entendre cet appel qui me demande d'aller vers le diaconat. Mais à ce moment-là, moi, le diaconat, je ne sais pas ce que c'est. Un diacre, j'en ai jamais vu, j'en ai même jamais entendu parler. Bon. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme je suis en relation avec mon curé à l'époque, je vais aller le voir. Je vais lui dire, écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je raconte l'histoire. Et lui, il me dit, t'enterres ça dans un coin de ta tête et puis on verra. On laisse le temps. Et c'est ce que je fais. C'est pas facile de l'enterrer dans un coin de sa tête, quand même. Il a fallu que je creuse un peu quand même pour enterrer. Mais bon, j'ai réussi. Et puis le temps a passé. Voilà, et je suis arrivé ici, en 2012. Et toujours avec cette paix qui n'est pas là, pas complètement en tout cas, voire même de la colère, encore beaucoup de colère. Et cette course qui me fatigue, qui m'épuise, je vais finir par tomber malade. Et je vais rester malade comme ça pendant peut-être 6-8 mois, hein, c'est à peu près ça. Le symptôme de la maladie était difficile à voir. En fait, j'arrivais plus à respirer. Je toussais en permanence, j'arrivais plus à respirer. Pour partir au travail, j'étais obligé d'emmener avec moi une valise avec un masque que je mettais sur le visage. Alors, pour donner des cours, c'est pas facile de donner des cours avec un masque sur le visage. Jusqu'à un moment où ça n'a plus été possible du tout. Donc, j'ai été arrêté. Mon épouse travaillait, elle, et je ne savais pas trop quoi faire, comment occuper les journées. Alors, comme j'avais quand même repris mon activité auprès de l'église localement, eh ben, j'essayais d'œuvrer à la maison un petit peu, j'essayais de faire un peu de repassage, un peu de cuisine. Je tenais jamais longtemps parce que, comme je n'arrivais pas à respirer, bien sûr, il fallait régulièrement que je me pose. Et pendant que j'étais posé, je retournais à la prière. Et dans mes prières, bien sûr, je demandais au Seigneur ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Les médecins cherchaient, on m'a fait des biopsies, on m'a fait des tas d'examens. Pendant des mois, on n'a jamais rien trouvé. Voilà. Et c'est au cours de cette période où j'étais souvent seul chez moi, que subitement, alors même que je le répète, j'étais seul chez moi, tout à coup, il y a eu une présence. Et une présence qui était à la fois extérieure et intérieure. J'ai eu du mal à l'exprimer. Je m'excuserai, mais j'ai même essayé de l'écrire à un moment sur les conseils d'une amie, Sœur Isabelle Marie, qui m'avait dit « Vous devriez écrire ça ». C'est pas facile de mettre des mots là-dessus. C'est quelque chose qui me dépasse, même encore aujourd'hui. Pourtant, c'est moi qui l'ai vécu. Donc je n'ai pas d'autre mot que ça. Une présence qui était intérieure et extérieure, et qui immédiatement m'a plongé dans une paix encore plus grande que la première fois lorsque j'avais été voir après, quelques jours après, mon curé pour lui dire voilà ce qui s'est passé. Et subitement, je me suis senti immergé complètement dans l'amour. Et cette paix qui était là, qui était totalement surnaturelle pour moi, tellement elle n'est pas commune,
Emma ne m'a jamais quitté depuis. Voilà. Je ne peux pas vous dire des mots plus forts que ce que je vous dis, parce que de toute façon, je ne trouverai pas des mots assez forts pour vous décrire ce que j'ai vécu. Ça n'a pas duré pendant quelques heures, ça a duré pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, j'ai senti cette présence en permanence autour de moi. Et la question qui m'avait été posée 10 ans avant, eh bien, elle revenait. Mais ce n'était pas une question qui revenait comme un impératif. C'était une demande. C'était très doux, ça aussi. Ça semblait me dire, ben, vas-y, dépose tout ici, et puis suis-moi. Pendant 3 jours, ma femme m'a regardé avec des yeux. Je me suis dit, elle va penser que j'ai fumé toute l'herbe du jardin. C'était pas le cas. Je n'avais rien fait, rien mangé, rien bu. Voilà. Bon, j'étais parfaitement bien. Sauf que là, voilà, j'ai passé 3 jours à pleurer. Mais pas pleurer de tristesse, hein. Je pleurais parce que j'étais réconforté, comme jamais de ma vie j'avais été réconforté. Voilà. C'était, je pense, le moment que, à travers toute mon errance, toute la crise que j'ai vécue avant, toutes les crises que j'ai passées avant, Dieu avait choisi ce moment en se disant, ben voilà, j'ai passé d'orgueil en orgueil, j'ai envie de dire, il y avait bien quelque chose de cette nature-là, cette tentative de maîtriser ta vie alors que finalement tu ne maîtrises rien, moi je t'offre autre chose. Je t'offre la possibilité de venir déposer ça ici. Voilà. Et puis maintenant, laisse-moi faire. Laisse-toi guider. Et bien, quand on a passé plus de 30 ans à vouloir tout gérer soi-même, croyez-moi que déposer ça au quai de la croix et puis dire « je vais laisser quelqu'un d'autre prendre les commandes », c'est pas facile. Et pourtant, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Voilà. Alors je suis parti, je vais décider d'aller sur ce chemin du diaconat, me mettre au service. Plutôt que d'essayer finalement d'arracher des choses à la vie, d'arracher des choses au monde qui pouvaient profiter à moi, uniquement, ben le chemin finalement qui s'offrait à moi à travers le service, à travers le diaconat, c'était ça. C'était moi de me mettre en disponibilité, moi de servir à quelque chose, moi d'être utile à quelqu'un. Plutôt que d'essayer de me servir des autres, ou de me servir des choses. Et finalement, ben, j'y ai trouvé le plus grand de mes bonheurs. Et je pense que même ma famille, à travers l'apaisement que cela m'a procuré, eh ben, elle doit être très reconnaissante aussi. Ça ne m'a pas fondamentalement changé, et pourtant, ça m'a complètement retourné. C'est le principe de la conversion, il semble. Voilà. Je dis aujourd'hui assez facilement, finalement, que ce qui s'est passé ce jour-là, eh ben, c'était le jour de mon vrai baptême. Le baptême dans l'esprit. Pas un baptême qu'on m'avait donné avec de l'eau quelques années avant. Et encore que je ne dise pas que ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas pour rien dans ce qui est arrivé aujourd'hui. Hein ? Bien sûr que les deux sont liés. Mais c'est ce jour-là que moi, j'ai pris la décision, finalement, d'accepter le baptême qui m'était proposé. Voilà. Et finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu s'est servi du temps de ma vie, pour être finalement un lieu, celui de la rencontre. Et la seule chose qui était encore en question, c'était quelle allait être ma réponse à moi. Je suppose que si j'avais dit non à ce moment-là, il se serait arrangé autrement. Et peut-être que ça serait passé par d'autres crises. Voilà. Mais j'ai décidé de dire oui et puis de m'aventurer sur ce chemin-là. Et là, je suis embêté parce que comme j'ai laissé depuis très longtemps mes feuilles sans les regarder, je ne sais plus du tout où j'en suis. Et je me demande même si je vais réussir à recoller un petit peu les morceaux. Voilà. Merci Seigneur de m'aider. Ah oui, j'ai trouvé quelque chose. J'ai bien fait d'écrire un petit peu quand même.
Saint Augustin, dans ses confessions, avait déjà bien exprimé cela, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Voilà ce qu'écrivait Saint Augustin. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans et moi j'étais au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre et disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Voilà. À ce moment de ma vie, j'avais trouvé mon absolu. Voilà. J'imaginais peut-être pas encore à quel point j'avais trouvé cet absolu. Ça, il va me falloir encore du temps pour le percevoir. Je n'aurai peut-être pas assez du temps de toute ma vie pour le voir. Je le découvrirai en plénitude le jour où je l'aurai rejoint. Voilà. Comme vous tous. Et cette espérance d'un absolu qui dépasse tout, qui me faisait courir de tous côtés, voilà. Elle est là. Elle est présente. Elle est toujours à mes côtés. Et je me raccroche à elle à chaque fois que je connais un moment de difficulté aujourd'hui. Je crois que c'est ce jour-là, très précisément, que je suis entré pour la première fois de ma vie dans la paix. Mais pas une paix que j'avais eue à conquérir, non. Une paix qui m'était offerte, sans même que je la mérite, sans contrepartie. Et l'invitation renouvelée de me mettre entièrement au service résonnait clairement, comme la promesse de joies plus grandes encore à venir. Je n'ai pas trouvé le but de ma vie. C'est lui qui est venu jusqu'à moi. C'est lui qui m'a rejoint. Et c'est ça qui est ma plus grande joie aujourd'hui. Comme m'est aussi une joie immense de le partager, ce souvenir avec vous, et de le partager en toute occasion à chaque fois que ça m'est possible. Mon épouse et moi avons là aussi la joie d'accompagner des jeunes adultes en chemin vers le baptême. Il se peut que, bien souvent, ceux-ci pensent que c'est nous qui leur apportons quelque chose dans leur cheminement. Mais en fait, la plupart du temps, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est nous qui sommes émerveillés de constater à travers eux à quel point l'Esprit de Dieu appelle de façon constante, à travers toutes les générations. Dieu appelle chaque homme et chaque femme à se laisser convertir par lui dans un quotidien toujours en mouvement, en remettant à sa volonté, en nous dessaisissant de toutes ces choses qui entravent notre cheminement vers la paix et vers le bonheur. Pour parvenir à ce dessaisissement, il nous faut tout le secours de l'espérance portée dans la foi. Les deux sont indissociables, comme je le disais tout à l'heure. Foi et espérance. Eh bien, malin celui qui pourrait dire laquelle de ces deux vertus fait naître l'autre. Autant se poser la question de savoir laquelle de ces deux vertus a permis à la Sainte Mère de notre Seigneur de se confier tout entière dans la main de Dieu au moment où elle prononça son oui. Qu'il me soit fait selon sa parole. Était-ce la foi qui l'animait ou l'espérance ? Je crois pour ma part que c'était les deux en même temps. Et cette foi-espérance, elle l'a portée pour les hommes de tous les temps, et elle l'a transmise à l'Église de son Fils Jésus. Chacun de nous est appelé au même dessaisissement qui seul peut apporter une paix profonde, une paix qui nous dépasse, justement parce qu'elle vient de Dieu, et que nous pouvons être sûrs que son seul désir est de faire tout concourir à notre bien. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Église du Christ soit elle aussi soumise au même soubresaut intérieur qui agite par moments les membres qui la composent.
L'actuelle crise engendrée par la sécularisation grandissante de nos sociétés engendre dans le peuple de Dieu la tentation d'un repli identitaire et d'une nostalgie qui confine à l'immobilisme là où elle devrait précisément discerner les mouvements perpétuels que l'esprit souhaite imprimer dans notre temps. L'actuelle synode sur la synodalité, initiée par le pape François, pousse l'Église du Christ dans ce sens. Il la pousse à lire et interpréter avec le regard de la foi, le regard de Jésus, et forte aussi de l'espérance qu'il habite, les signes des temps, à vivre notre temps comme le temps de Dieu, un temps qui se conjugue toujours au présent. Notre temps est difficile, le temps de Jésus l'était aussi. Notre temps est le temps des inégalités, le temps de Jésus, je crois, l'était encore davantage. Notre temps est un temps de déconstruction, nous semble-t-il. Jésus nous veut comme des bâtisseurs. Notre temps est un temps d'effondrement. Jésus est venu lui-même accomplir notre relèvement. Vivre le temps présent en cédant à la tentation du repli, à celle du regard en arrière, finalement ça équivaut à geler le travail de l'esprit, à le figer, à nier que pour Dieu le temps se conjugue toujours, toujours au présent. Et c'est cette certitude, donnée par mon expérience personnelle, qui aujourd'hui me procure le plus de joie, une joie qui me tient au cœur, aux entrailles, finalement à l'âme. Dieu agit au quotidien dans ce monde. Il n'abandonne personne, et encore moins son Église. Il poursuit son but sans relâche, n'attendant que le bon moment pour que nous nous tournions vers son amour. Ainsi converti, dessaisi de nos entraves, et déposant nos soucis, nos certitudes au pied de la croix du Christ, il devient possible à Dieu de commencer à modeler un homme et une Église en croissance. Un homme qui, en vertu du sacrement de baptême, nourri du sacrement de l'Eucharistie, peut finalement devenir lui-même un sacrement pour son frère, un sacrement pour le monde, c'est-à-dire à la fois un signe de la présence de Dieu et un moyen d'accéder à Dieu pour les autres, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu cette espérance que nous portons, nous, au cœur de nos vies. Et cela se partage en dehors de toute considération d'appartenance ethnique, d'appartenance raciale, sociale ou culturelle même. Ainsi, une fois que nous avons dépassé un peu tout cela, Dieu peut faire naître un autre temps. Ce sera le temps finalement de la charité. Et là, on a encore du travail. Et je crois qu'il faut que je m'arrête parce que c'est 11h15. J'espère ne pas avoir été trop incompréhensible, ne pas avoir abusé de quoi que ce soit.